Définitivement, nous ne connaissons pas qui ça haïtien fait, qui ça Haïti fait la paix. Est-ce que Haïti te joue un grand monde li pas tourner à l'excuser li? Parce que nous, tout d'un coup, tout problème là, encore, nous, tout problème dans les gens en Haïti. Eh bien, nous te connaissons déjà, Haïti a fait face avec problème et politique, instabilité politique là, qui crée problème et sécurité, parce que c'est même nèg politique yo, c'est même nèg dans le secteur privé des affaires là, c'est même un paquet gros courir, un paquet machin désagrément dans la société civile là, qui a amené un paquet de jeunes femmes, jeunes garçons qui créent quoi gang, qui créent groupe gang pour brasser bille société, pour touyer, kidnapper, pour violer petit. Nous faisons courir quitter Kainou en bas coup de balle. Eh bien, ça pour rien. Pendant le week-end là, nous confrontons avec problème inondation, glo descend, un pile moun perdu la vie, un pile paysan perdu jardin, perdu bête, et un paquet moun qui oblige sans abri dans le moment à parler à la kay yo krasé, yo déplacé, yo pa konn qui sin pou yo rele, yo pa konn qui est ka vin pote yo secours, yo pa konn qui est ka pede yo. Mais ça pou ko rien. Matin la bonheur bonheur, un tremblement de terre qui frappe grandans pays, qui frappe ville Jérémy côté gagné pour pipiti trois moun qui perdu la vie yo à plusieurs cailles qui crase. Tremblement de terre ça qui passé avec une magnitude 5.2, c'est parti qui est cassé, c'est parti la troublaille li simayé dans grandans pays. Mais ça pas fini parce que problème nous yo pas fini. Ça pas fini parce que autorité yo pas préparé pour assumer responsabilité yo. Et bien dans dossier insécurité, nous songe dossier trafic zam ak bal qui impliquait l'église épiscopale d'Haïti. Et bien faut moi dit nous dans moment là, bon gros l'obeille qui pété dans BLTS. BLTS qui c'est une unité en dedans la police qui c'est brigade lutte contre trafic stupéfiant. Et bien dans moment là, bon policier BLTS qui pote non Ronald docteur qui en bacote depuis 1er juin passé à la BAF qui se bureau affaires financières économiques de la DCPJ, yo maré tant kou krab Ronald docteur yo metel dans commissariat Delma 33. Eh bien policier ça agent BLTS ça li joine arrestation parce que li gen frère qui c'est Johnny docteur. Johnny docteur m'te parlé de lui déjà quelques jours de cela dans plus dans quelques émissions passées. Eh bien, nèg sa, qui lui-même son gros cadre, qui son gros cadre, un gros auto-brillant dedans ministère économie et des finances, qui spécialise, qui pratiquement travaille dans le département qui gagne pour avec dossier franchisan, eh bien, gagne juge d'instruction, Martel Jean-Claude, qui a instruit dossier l'église épiscopale d'Haïti, dossier trafic d'amnant, qui t'a invité Johnny Docteur pour lui répondre quelques questions. Première invitation, il n'a pas pointé. Li pa mette point pile. En deuxième invitation, li pa mette point pile. Et bien après ça, ta pral genye DCPJ, PNH qui ta pral lage à vie de recherche, yo ta pral ap chercher Johnny Docteur tant kou chien fou. Et bien qui ça nous apprend que Ronald Docteur, qui c'est frère Johnny Docteur, qui t'a impliqué dans le dossier trafic d'examen de l'église épiscopale d'Haïti, qui ça t'a fait? Et bien yo apprend que Ronald Docteur, qui c'est agent BLTS, li ta facilité frère que la police a cherché dans le dossier trafic d'âme l'église épiscopale. Zam qui rentre en Haïti, qui a l'alimenté gang, qui a tout chrétien vivant, oui. Eh bien, on apprend que Ronald Docteur, ça, qui ça le fait, lui permet à ce que Johnny Docteur, qui c'est frère, que la police a cherché, hein, eh bien, frère, lui passe plateau central, tombe République Dominicaine, jusqu'à ce que frère lui prend avion, rentre États-Unis, alors que juge d'instruction Walter Wessel-Voltaire t'attend ni pour lui répondre question sous dossier trafic d'armes. Eh bien, le bureau affaires financières économiques en dedans des CPJ, rive jeune information, yo konne se agent BLTSA qui permet à ce que Johnny Docteur lage piel, eh bien, yon pas fait ni deux ni trois formes possibles, yon arrêté Ronald Docteur. Arrêté, yon arrêté agent BLTS. Soit dans les là, l'autre policier, yon, l'autre collègue, l'autre frère d'homme, yon fâché, yon estomaqué. Yon dit que arrestation, illégal et arbitraire parce que yon procédure, yon doit respecter, yon procédure, inspection générale et la police doit respecter si toutefois yon a arrêté yon policier. Bon. Franchement, dans le dossier, ça, je ne peux pas comprendre. Parce que si Neglan, écoute, ou bien Johnny Docteur qui sont cadre de ministère économique des finances, qui lui-même travaille dans le parti et dans le secteur et franchisant,
Si bon juge d'instruction qui invite le dossier pour lui parler bal bay petit détail il ta connaît le dossier etc. S'il pas connaît le gars rien pour lui, qui ça empêcher pour la rencontrer juge al bay sa juge a besoin comme information. Al bay détail que juge a besoin. Al répondre question que juge a besoin. Moi ce que le bon bagaille que vous comprenez le bon bagaille la reprocher tête, le bon bagaille li mêlé là-dedans. Li estime s'il t'arrivé juge a tout marrer, l'a tout aller dans prison parce que la guerre puis on pas croire ça solution non. La guerre automatiquement la guerre puis on koto aller, yo ka toujours met ton mandat international, yo ka la guerre Interpol et Johnny Docteur là, al chercher Johnny Docteur, aller le mener le vini, vini répondre question, comprendre, c'est pas ça que solution. Imagine en tant que agent BLTS, en tant que policier qui censé là pour coopérer, pour bailler formation, qui censé là cap marer bandi, cap marer délinquant criminel etc. Et puis kounya pour oui c'est froid, oui tout vin sensible pour ça etc. Mais kounya depuis 1er juin Ronald docteur qui côté lié, li fermé dans commissariat Delma 33. Et kounya le juge d'instruction mette mandat international d'effort là yo vinn avec en Haïti. Tout effort soit fait, on te fait l'an 20, on te fait l'an 20 parce que l'on veut ou non, nous pas qu'à quitter pays à l'impunité. Dossier l'église épiscopale d'Haïti, un dossier trafic d'âme non, nous pas qu'à nan griller d'avel. Si y a père qui implique dans dossier ça, si y a prêtre qui implique dans dossier ça, prêtre et pas. Donc on pas besoin d'où, on pas besoin d'où, n'importe moun nan dès pour pas faire espoir, dès pour remettre l'argent, ça qu'arrive que dans dossier, il faut qu'on prenne code. Faut qu'on prenne code. Et nous pral rentrer dans partie dans émission côté ou pral joindre pile en pile information. Je dis là nous pral font parler avec Stanley Lucas sur trois dossiers importants. Nous parlons parler de l'assassinat du président Jovenel Moïse dan, suite avec condamnation Rodolphe Jean alias Rodolphe. Nous parlons gagner pour nous parler de sanctions États-Unis pour contre ancien premier ministre Laurent Lamotte là, ça est extrêmement important. Et nous parlons gagner pour nous parler de dossier CIRH côté gagner près de 10 milliards de dollars américains que nèg yo gagoté au voler, yo galvaudé l'argent, yo dilapidé l'argent alors que États-Unis pas jamais pour yon fois en 13 ans pas jamais sanctionné yon nan moun qui te participé nan dilapide l'argent CIRH. Et faut que moi di nou tout. On pral saisi tande gen un oligarque corrompu en Haïti, un gros nèg nan secteur privé des affaires là qui était membre et commission intérimaire pour reconstruction haïtien CIRH. Ta ramen kon ki est lié. Rete là on pral tande tout détail yo. Moi gen avec moi et souligne nan Stanley Lucas qui passe de présentation dans émission là. Et avec lui, nous pral garder des dossiers qui sont extrêmement importants et suite avec les dernières décisions que pays États-Unis prend là. Gagne condamnation et Rodolphe Jean alias Dodof dans ça qui est pour avec dossier assassinat président Jovenel Moïse, gagne et sanctions que États-Unis prend contre ancien premier ministre Laurent Lamotte et puis n'a tout font petit passer sous dossier CIRH et plusieurs milliards de dollars américains pour reconstruction pays d'Haïti en pile l'argent qui galvaudé qui garoté et puis Haïti était dans même point. Stanley comment est bienvenue dans l'émission, c'est un plaisir pour vous recevoir. Moi salut Yannick et moi salut toute équipe là ensemble auditeur. Stanley, et bon, n'a pas commencé avec dossier assassinat président Jovenel Moïse, condamnation Rodolphe Jean alias Dodofla. Et comment on accueille et condamnation? Comment on accueille le fait que et juge fédéral José Martinez a condamné Rodolphe Jean à perpétuité malgré te gagné un accord, un plea deal qui te gagné, qui te fait entre la justice américaine avec et accusé? Comment on même concevoir et condamnation Dodofla? Bon, c'est ça, en anglais, bittersweet. Ça, ça veut dire. Nous-mêmes, en tant que pays, depuis le mois de juillet 2021, la justice pays d'Haïti a fait avis de recherche pour Rodolphe Jean pour implication dans tous les présidents. Pendant la même époque-là, tu as l'autre avis de recherche et mandat qui est sorti tout le 9 juillet pour Reginald Boulos, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, Jerry Tardieu, Steven Benoît pour implication dans tous les présidents. Nous remarquons que pendant le mois de juillet, pendant que la justice pays d'Haïti a marché vite dans la direction criminelle, côté procureur de la République, Bedford Claude, établi implication
premier ministre Ariel Henry, dans tout le président Jovenel Moïse, qui ça, Ariel Henry, oligarque, politicien assassin, qui tout le président fait, y a le prend avocat sogénère, avocat Dimitri Vob et avocat personnel Ariel Henry qui se bête au dossier, mais qui va mettre le ministre de la Justice pour mettre un barrière, un blocage systématique pour empêcher Marie, tout assassin qui tue le président. Donc, rapidement, et au fin de mettre bête au dossier ministre de Justice, il va mettre illégalement 6 mounes dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ. Il va mettre 8 mounes illégalement dans le coup de cassation. Il va mettre doyen dans le tribunal première instance Chavannetienne. Et il va nommer un juge unité qui n'a même pas de politique avec eux. Walter Wessel Voltaire, qui j'ai dit à son juge requisé qu'il y ait, selon la loi de l'église école, nous continuons à faire théâtre. Donc, les décisions ça a sorti Florida, nous venons à quelqu'un deux poids, deux mesures, pour que ça aille courir avec Thierry Kinsa, non seulement aille courir avec Thierry Kinsa pour condamner, l'impliquer tout bon dans tous les présidents, mais dans le genre de faire relations publiques là, c'est dans une poussière qui est sorti pour vous dans le genou, dans l'essayer blanc, il va essayer de faire nous comprendre que Rodolja, on n'est pas de grand goutte. Nous sommes contre sous ta poker Dimitri Vob, dans mon calvaire. Même les lapins sous ta poker, sous pas une photo à ma brouille le barou. Monsieur, c'est $500 ou de compte Bali pour le cas de poker à Negio. On n'est qu'on ça qui implique dans tous les présidents tout le monde. Il n'y a pas ni moyens financiers, ni contact politique et militaire pour monter opération comme ça. Donc, les blancs veulent faire me comprendre comme si c'est Rodolphe qui était pensant aux financiers, qui ont fait écrire, qui ont payé pour ça. Et donc, on s'est l'homme d'affaires. Rodolphe, master brain. Blancs sont aussi pour passer dans la bêtise, comme petit cabo à la mort, moi-même pas prendre ça. Donc, moi-même, dans la condamnation, ça, moi, je marche pressé. Pour casser faire couvrir ça, en façon pour protéger blancs américains qui impliqués dans tous les résidents. Nous même nous pas prendre ça. Mais en façon pour protéger oligarques qui impliqués dans tous les résidents, nous pas prendre ça parce que longtemps des conversations téléphoniques qui disponibles sur YouTube entre inspecteur général Marie-Louise Gauthier la police et commandant sécurité Paléa et Dimitri Ra côté Marie-Louise Gauthier dit Dimitri Ra, lui recevoir l'autre département d'État pour le président. Dimitri Ra répond lui au courant parce que mon département d'État a contacté le tout. Et puis jusqu'à présent, la justice américaine, FBI, pour marrer personne dans le département d'État. Regardez tweet John Joel Joseph fait le 6 février 2021, qui toujours sur compte Twitter. Lui-même tout le dit, lui recevoir l'autre département d'État pour le président. Et puis Blanc, il faut marrer personne dans le département d'État. Regardez à Kanjet Twitter, on est impliqué dans tous les présidents qui travaillent pour FBI depuis 2017 dans New York. Qui est notre FBI qui est impliqué dans tous les présidents qui est au Bocotino? Donc, je vous dis à nous, un conseil des blancs américains qui est directement impliqué dans tous les présidents, sans président Biden, avec secrétaire d'État Blinken pas au courant, nous avons marché pressé pour faire couvrir ça, comme si nous-mêmes haïtiens dans le pays d'Haïti, nous-mêmes haïtiens qui appartiennent pour son paquet d'égards. Mais Stanley, est-ce que là, on peut faire une fuite en avant? Parce que Bamjo et Dodo Fodolja, c'est une parmi, et tant d'autres parmi, et 12 suspects qui gagnent dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse aux États-Unis. La justice commence par lui-même, il a condamné, mais n'attend pour nous qui évolution pour le gagner. Pas de fuite en avant, Yann. Excusez-moi, toi et moi, la senti du. Et l'on a des plis d'il. Qui n'est que présenté, que soi-disant, Rodolphe a signé, hein, ou est-ce que son n'est qu'à essayer boucher bouche-li. Et c'est pour ça, il est important pour que TAC 509, ou bien journaliste haïtien, font une interview détaillée avec lui. C'est même pas ça, mais que, vous songez milliardaire américain, que le Jeffrey Epstein, monsieur de non-business, côté monsieur t'apprend d'être Simon, pour aller faire des milliardaires et des politiciens puissants, fait sexe avec Simon Sayo, ouais. La justice unit, mais soulié aux États-Unis, de tout lié le banal en prison pour pas qu'il parle, qui gros politicien aux États-Unis et l'autre côté dans le monde là, gros milliardaire, qui dès qu'on a fait sexe avec Simon, de tout lié en prison pour ça.
Pour moi-même, il faut nous bien temps parler avec Oudolja, comme qui implique effectivement que vous condamnez pour implication dans le président. Mais gros cause, gros liga qui yo, à gros l'autre politicien américain qui implique dans tout le président, faut que nous joignions tout. Mais c'est un gros bagage. Pense que faut. Mais écoutez, moi-même, ma plaie pour vous baguette à tout le monsieur dans la prison. Pense que faut qu'il parle. Faut qu'il vienne parler. Et un article qui a fait un pile parler sur internet là que on certain nom Luc Dorange j'ai écrit et côté libéral yeah, monsieur son fabricateur monsieur son ou pas qui te fini OK pour les non pour nèg là côté elle a parlé et de dossier assassinat président Jovenel Moïse lui fait connait que et gagne une bonne révélation. Li fon bonne révélation dans dossier assassinat président Jovenel Moïse côté que li allé loin pour le dire que et Rodolphe pas t'ap ka nan touye président Jovenel Moïse pas t'ap ka non gros complot non gros coup comme ça sans que Martelly pas au courant sans que Martelly pas derrière lui. Est-ce que nan dossier ça a bali raison ou pas? Non, regardez, dans Ligue d'Orange son manipulateur qui travaille pour la vala, monsieur. C'est garder quand comment vous prend pause comme s'il y a descendu Jovenel Moïse on est les Jovenel Moïse t'es là ça avec opposition t'a marché pour détruire caractère Jovenel Moïse okay. Moi même petit coup ça yo petit coup pour mango ça yo nous pas prendre dans mais non Luc Dorange yo c'est plusieurs qui a fait travail ça yo gon website tout qui les Boucan News qui font paquet manipulation et changer des données historiques par rapport à 2004 qui fait partie des réseaux ça tout. Donc moi même je vais prendre comme référence bagaille non Luc Dorange. C'est là avec vous, les personnes pour qu'on dit ça, moi devine d'où là, dans l'interview avec vous, moi d'où clairement que Martelly avec Beaufrère, Kiko Saint-Rémy impliqué dans tous les présidents. Donc je voulais vous dire, et n'est-ce pas, au bagaille, il y a bien apprendre nous-mêmes. Et c'est là qu'on a fait une manipulation pour Aristide, côté, qui a regardé qui genre, dans le cadre d'objectif politique, coup d'état là-bas, là, c'est bien. Jean pour yo pas non seulement manipuler assassinat président Jovenel Moïse et quête de justice hein, mais manipuler des réalités historiques par rapport à 2004. Mais oublier que c'est Aristide qui fait 22 000 soldats débarqués dans le pays en 1994. Yo voulez faire oublier ça. Mais yo voulez faire oublier que Aristide qui signe accord de Paris qui permet Préval à vendre tout bien l'État qui rapportait l'argent pour qui permet blanc yo avec oligarque yo voler 560 milliards de gouttes bien l'État. Mais ça, c'est révisionniste qui est. Même qu'on est très bien. Donc, catégoriquement, on rejette toute sale dit, toute révélation présumée de la beauté. Oui, depuis, on sait des mondes, depuis, ça, il a écrit les noms, les d'Orange, les Joël Léon. Et tout ça, c'est Simon qui est Aristide, qui a fait les révisions historiques. Donc, en nous avance dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse Stanley. Et en Haïti, là, il y a Don Kato, il y a Antonio Chirami. Et vous connaissez, il ne faut pas oublier tout, que mon parti dans le réseau Lavalas, là, qui m'a fait récupérer tout. Tako. Bon, et tout le monde qui est dans Nipio, qui est dans Lavalas, m'a fait récupérer mon paquet de la terre, mon parti dans le département de Sud, m'a fait récupérer. Ou quoi, c'est comme ça, Martelly, t'as loi Aristide, chita avec Aristide. Eh bien, n'est-ce pas faire complot pour finir dans le pays, un petit bout de petit bout. Et... Non, mon cher, c'est ça, m'a expliqué depuis longtemps. Assassin, yo, et voler l'État, yo, Antonio. Même l'on a fait Tintin, yo, n'a fouté sous l'autre, dans la radio. Yo, Antonio, yo, chita ensemble. Et vous, ça me dit, y'a trois anciens présidents qui n'ont gang. Martelly n'ont gang, Aristide n'ont gang, Privé n'ont gang. N'est-ce pas, Antonio, pour piller le pays, bagaille grave. Et oui, dans dossier assassinat président Jovenel Moïse Stanley, gagné ancien sénateur Nenel Kasi qui sautait tout récemment là et aller dans invitation d'instruction Walter et Voltaire t'a adressé à lui-même, gagné hier là gagné Antonio Chirami Don Kato qui allait dans cabinet d'instruction qui a répondre question sous même dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et me connais ou gagné idée pas par rapport avec travail que j'ai instruction à faire sur dossier. Donc pour vous c'était catégoriquement. Mais t'as l'air Stanley. Question qu'on pose c'est tout pour qui va écouler à juge la fête à ça. Faut pas oublier que selon la loi pays d'Haïti les requisos comme juge vous devez retirer quoi. Ils ont utilisé juge depuis 4 mois. Ouais, juge là c'est couillé à la fête il y a Daniel Kasi
la fête théâtre avec Kato qui était chez Kato, c'est ça non qui était impliqué dans tous les résidents. Donc, je veux dire, la question qu'on doit poser, c'est tout. Pour ça, garder Kato, non seulement déplacer la loi législative, lui venir avec tout petit caméra à pour faire film, pour faire petit audio, pour faire interview que lui-même il prépare à la journaliste. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Même parce que nous avons un correspondant, nous avons un correspondant qui était allé, qui était allé. Non, il y a des gens parler, ou il y a des gens pas, mais lui-même tout, il est préparé tout le bagage. Son théâtre qu'il a fait, théâtre qui est allé. Je vais vous répondre à une question. Juge là, qui est-ce que juge là est? Juge là, son juge qui sorti dans l'unité, c'est Paul Denis, qui était dans l'unité, l'élite ministre de la Justice, qui mettait juge là dans le système. Là. C'est pour ça qu'il a choisi, monsieur. Objectif, monsieur, c'est blanchir tout le monde. Ça. C'est pour ça que tout c'est devant juge ça, que vous voyez, et dossier Nenel Kassi, vous voyez dossier, et bête au dossier dans le trafic d'amnant. Tout le monde s'est ouvert blanchi devant juge ça. C'est pour raison ça, pour être inanimité, de remettre le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Comme moi, exemple bien simple. Procureur Bedford Claude est appliqué à Ariel Henry impliqué dans tous les présidents. Bon, vous avez dit ou pas d'accord. Juge d'instruction qui était là en vent, Gary Aurélien, à cause de un audio New York Times lagué de juge Gary Aurélien, nous tendez Gary Aurélien qui dit. Après 3 mois d'enquête ou bien 4 mois d'enquête, lui joint Ariel impliqué juste dans le coup dans tous les présidents. Il n'est pas camarade comme juge parce qu'il y a une menace sous lui, il y a une menace sous famille. Juge requise ça qu'il a. Qui j'en fais beaucoup, j'en marie Ariel. Mais pour bon travail politique, et juge ça, il trahit tête lui. L'on a des informations qu'il tape par les journalistes en France, là, Wendy Fell. Au delta PC orienté politiquement enquête là, alors que la loi très claire, la loi consacrée, enquête en juge d'instruction doué secret, ou un interview échange qu'il t'a fait avec Wendy Fella, il t'a orienté procès à non direction politique, et au delta ouais, qui sa objectif politique juge l'en y est. C'était sacrifier 2-3 petits, tant que Rodolja, tant que Félix Badiou, Joseph Delatrier, et puis gros criminel, Ariel Henry, Michel Matéli, Tico Saint-Rémy, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, et l'atelier qui est impliqué dans tous les présidents, Blanchio. Et ça, il y a eu Bali comme mission. Si je n'ai pas gagné 2 semaines de ça, c'est le bureau espérance la contrée pour la prendre l'ordre, oui, l'autre bois. C'est le bureau espérance, je vais prendre tout l'ordre, oui. Est-ce que information ça nous pas considérer comme accusation ou bien et des informations qui vérifier juge qui allé dans bureau Pierre Espérance RNDDH et interview que juge a accordé à Wendy Fell, est-ce que c'est seulement et ou juste avancer ça ou bien gagner des non c'est pas avancer seulement gagner interview dans Wendy Fell là ou juste garder le juge là a essayé par enquête là ou orientation politique alors que la loi dit l'enquête doit être secrète. Pour lui, il a fait des orientations politiques dans l'enquête là. Il a fait des bagailles publiques sorties. Qui est-ce qui va l'interroger? Qui est-ce ici? Il a indiqué la paille pour CA et enquête qu'il a mené en orientation politique. Deuxième bagaille là, la loi très claire depuis au requiso. Ouais, il a été requisé, Chavannes Etienne, il était obligé de marcher. Ouais, juste ça, malgré au requisé, il était sous dossier. Son juge requisé, il était requisé l'école déjà. Stanley, bon, faut moi mando ça. Pour qui ça? Pas de suivi qui fait pas bon côté famille président. Et ok, on récuse les juges, mais juge était attaché avec instruction dossier, elle était attaché avec enquête là. Pour qui ça n'a pas fait suivi eux même? Et deux bagailles. T'as l'air de dire comment le système judiciaire et ministre justice là été mis avec au dossier. Conseil supérieur pouvoir judiciaire, comment on met 6 mounadan. Ou de cassation, mettez 8 moun, tribunal première instance, côté où mettez Chavannes Etienne qui contrôlait tout juge d'instruction, yo, avec juge d'instruction lui-même que vous mettez, que vous contrôlez. Au niveau de la loi, les bouffins font récusation, pas grand rien encore pour vous faire. Donc, pas aucun autre suivi légal pour vous faire. Les bouffins ont des récusations en tant que là. Donc, c'est ça la loi dit. Donc, vous faites ça la loi dit, mais étant donné que ça n'est qu'à faire là, son agenda politique, côté ABC, casser, faire courir ça pour protéger et oligarque assassin à bloc pour les présidents et politiciens qui est président. C'est pour ça que malgré l'accusation, ou est-ce que la continue à faire théâtre, alors que la loi a mandé pour retirer le col.
Mais il y a un paquet de monde, tant qu'on en Haïti, même dans la diaspora, il y a des gens qui sont attachés avec le dossier assassinat du président Jovenel Moïse. Si non voit légal, le vagabond n'a pas décidé de retirer quoi, il y a politisé le dossier. Ah, c'est scandalisé, il y a un premier pour la presse, vous comprenez? Parce que nous. Bon, bon, moi-même, au niveau légal, son grand bagage au café, c'est récusation. En Haïti, et peuple a tellement compris. Peuple a tellement. Peuple a tellement compris ça qu'a passé à ouais peuple là par rapport à la réalité que peuple a compris que le système judiciaire n'a même oligarque à politicien corrompu, c'est pour ça qu'a calé à prendre naissance. OK. Et Stanley n'a avancé dans dossier assassinat président Jovenel Moïse parce que gagné question. Alors, avant poser prochaine question, hein, moi j'ai deux articles publiés que j'aime un jeune en criminologie en droit. En relation internationale, etc. Regardez, premier rappel documenté sur l'assassinat du président Jovenel Moïse perpétré le 7 juillet 2021. Et deuxième, non, tiré la justice en Haïti, les oligarques, les politiciens corrompus et la communauté internationale. Tous deux articles, ça a été mis sur www.tricotaylakay. Article qui se rappelle documenté, à, surtout pour étudiants qui ont fait tes yeux. Sous crime transnational qui s'est assassiné président Jovenel Moïse là dans fin article un document PDF où tu as 40 documents légaux qui ont rapport avec assassinat président par exemple constat yo te fait kay président vous ont étouillé là et réquisitoire supplétif d'être fort clause de fait interdiction de départ pour Ariel Henry mandat qui ont été délivré mais qui ont essayé de faire tout dossier ça a disparaître nous déguin des copies. Donc, sous son étudiant qui a fait thèse sous crime transnational, ça, qui s'est assassiné président Jovenel Moïse, dans fin documentation, article qui m'écrit, qui est le rappel documenté sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, perpétré le 7 juillet, ou après tout, ou pas même deux ans, faire recherche. Mais il a essayé de faire tout dossier, ça, disparaître, et Yannick. Donc, c'est son grand travail, ou faire la loi, mettre disponible pour le public, là, pour les étudiants, pour tout le monde qui est intéressé avec. Dossier assassinat. On a écrit le livre tout. Oui, ça est vraiment important. Il est vraiment important. L'on toujours une synthèse de ensemble des formations qu'il a, qui compilé. La pédo. L'aime tout ça, Yannick. Mais qu'on fait tout ça, on est capable pour faire essayer tout dossier ça disparaître. Non seulement il fait tout dossier disparaître un peu là-dedans, mais qu'on te voit et gang à casser paquet pour te faire dossier disparaître. Sérieusement, je fais un effort pour une copie, un quimbé, c'est pour ça que je mets à la disposition du public. Non, ça, c'est bon travail, très important. Et non, non, pour nous fermer, parenthèse, sous dossier assassinat président, et par rapport avec les démarches États-Unis à faire là, côté, ils ont commencé à condamner et des séries de suspects dans le dossier et dans le complot pour négocier et tout le président. Qu'est-ce qui a empêché, selon vous-même, que. Quelle série d'oligarques n'ont pas cité là? Qui ça qui empêchait que y arrive sur yo? Est-ce que oligarques ça yo en Haïti des séries de monde que peuple haïtien a plongé doit sur indexé directement dans tout Jovenel Moïse et États-Unis au même pas jamais prend aucune décision contre monde ça? Est-ce que vous pensez c'est monde ça, c'est oligarques ça qui en Haïti qui t'a un lien direct avec des séries de nègres, des séries de gros bras dans pays États-Unis qui même impliqué? Absolument. Absolument. Bon, bah, yo, il est dans le langage sécurité nationale et espionnage et politique internationale. Bon, moi, yo, il est asset. Avec qui, on fait des oligarques qui n'ont pas pays d'Haïti, mais qui sont agents et les globalistes corrompus qui besoin de voler l'État et voler tout ça qu'on battait dans le pays d'Haïti. Ça veut dire que les globalistes corrompus qui n'ont pas Ottawa, qui n'ont pas Washington, qui besoin de voler pays d'Haïti, agent li souterrain, et c'est pas seulement agent blanc qui est, mais c'est agent dominicain. Yo. Donc, ça l'étiquette, c'est pour raison ça jusqu'à présent, ouais, 23 mois après, malgré la justice de voyer mandat depuis 9 juillet pour Reginald Boulos, Dimitri Vop, Jean-Marie Vop, ouais, agent ça est tellement puissant, ou pas arriver sur yo. Et, ou après, remarquer que c'est même agent ça yo qui te créé gang yo, même oligarque yo. De créer gang yo en 2017 et 2021 pour éliminer le président Jovenel Moïse. Quelle est la sanction? Quel est le niveau de la justice? Ou après, pendant 23 mois qui se passent là,
malgré résolution 2653, malgré sanctions bilatérales qu'a payé agence AIO pour changement parce qu'ils ont représenté intérêt blanc globaliste corrompu qui devait venir piller pays d'Haïti. Et pour parler de ça, il faut qu'il y ait un super blanc, on va pas parler de cause ça, super mouri, on va pas parler de cause ça. Et pas blague, non. Et Stanley, bon pose une dernière question. Et toujours, et dans ce qui est pour avec récusation de l'instruction alter ou servolder là. Et est-ce que leur famille, ok, par rapport avec relation de proximité qui t'a gagné entre moun unité qui t'a introduit des séries de juges dans le système dans qui journée aujourd'hui là prend contrôle politique et dossier assassinat président Jovenel Moïse, gagne récusation qui fait par bon côté famille présidentielle là. Oui, récusation c'est pour empêcher et gagne influence moun de dans dossier des séries de moun qui t'a peut-être impliqué dans dossier etc etc. Bon. Et Stanley, mais récuser un juge et récuser un juge c'est peut-être casser court instruction dossier, casser court enquête là. Est-ce que je dis là famille présidentielle là ou bien est-ce que bon, m'a pose une question pour famille présidentielle, m'a pose une question pour Stanley Lucas. Et est-ce que Stanley Lucas et rete quoi que dans système judiciaire haïtien, il y a un juge peut-être qui casse sur dossier Jovenel là, dossier assassinat président. Absolument. Yo bien vous avez des cas comme ça. Dans le système l'argent lié pour y'a, il y a 75 à 80% juges qui corrompus là-dedans. Et même Jean-Salvador, vous devez résoudre le problème là, il est obligé de révoquer 85% juges qui sont dans le système là. Par exemple, on prend un juge, Chanlat, qui est le premier juge qui a choisi. Mais il y a tellement qu'on est que juge ça indépendant, pour intimider le juge là, pour ne pas prendre dossier, mais il y a tout lié greffier le juge là, il veut la fortune pour ne pas prendre dossier. Parce que ça reconnaît que juge ça incorruptible par n'importe rien d'autre. Moi c'est ce qui va donner qui arrive, mais il y a aussi les greffiers juges sans là pour battre le dossier. Et depuis au fin qui est greffier juge sans là là, depuis les phares personne pas dans rien non sous dans suivi dossier ça. Et pour montrer et René Sylvestre pour montrer aux jeunes qui sont qui est président pouvoir judiciaire. Monsieur te fait enquête. Monsieur t'a révoqué 74 juges qui dans le système là. Pour quatre raisons. Juge qui a un cabinet d'avocat, le juge ou pas un cabinet d'avocat. Juge qui n'a corruption. Juge qui n'a politique. Tant que Joseph Messène, Wender, quoi qui vit, Delta Brésil, William Morin, tout le monde a un juge politique qui est. Et puis juge qui n'a pas un background académique pour juge. Les nègres qui viennent apprendre que monsieur va révoquer 74 juges dans 4 catégories d'ailleurs, ils ont tout lié, président pouvoir judiciaire, ils ont fait le passé pour le coronavirus. Et il faut pas oublier tout, mafia judiciaire, ça qui parle en race, et c'est oligarque qui met mafia judiciaire, c'est pas le premier président qui a tout lié. Les nègres qui ont président René Préval, les nègres qui ont demandé qu'on coule en parle, les nègres qui ont tué la poison, des grands articles sur le nouveliste, sur le mapoué copie à Baou. Les nègres qui ont tout lié Préval, et puis ils ont regardé mon cap poser des questions dans la radio. Il a acheté autopsie pour 3 millions de dollars américains. Et pas le premier président qui a été tué. Jovenel est le deuxième président qui est même un blackout qui a été tué. C'est une habitude. Et puis ça m'a tué. Il faut lever le bonheur pour goûter à malandré ça. Si nous voulons que le pays change, il faut que nous goûtions à malandré ça. Malandré raciste. Non seulement il a pillé l'État, il a pillé le peuple, mais il a pillé le monde noir. Et il a raciste juste un jour. Stanley Gozami qui dit pour me poser une question ça pour lui. Il dit est-ce que vous pensez dans présumé coupable qui de yo yo ka offri dodo si on deal pour d'accord condamné pour d'accord yo condamné juste pour yo pas arriver sous l'autre yo. Non bon, nèg yo gèl a fond deal avec famille dodo parce que faut pas oublier que pendant 16 premiers mois assassinat assassin yo t'a parlé à tout nan témoin qui nan prison et qui dedans. OK. Même Gilbert Dragon qui dans prison. Nèg yo fait touyer Gilbert Dragon dans prison parce qu'il s'est commencé à parler. Et puis nèg yo propose coronavirus qui touye. Et je sais esprit yo touyer Gilbert Dragon parce qu'il s'est commencé à parler. Donc qu'est-ce que nèg y a fondi? Par exemple, gen on là dedans l'autre jour, il était dans dou li pral sorti, c'est tout tapis rouge qui pral sorti. C'est promesse pour assassin yo qui t'en fait parler. Donc et ça son possibilité tout. Oui, absolument. Il dit, monsieur, il doit d'accord.
il a pris un faute et puis il a payé famille, bien payé famille, bien vite. Il a occupé famille pour lui. Ça arrive dans la mafia et l'on des films sur la mafia, une réalité mafia aux États-Unis. Et des mafias qui sacrifient tête pour organisation, mais organisation criminelle là, occupé famille qui vivent en presse jusqu'à ce qu'ils mourent. Je grâce mal récompensé après. C'est ça, c'est ça. C'est ça qu'a fait là avec Dodof. Et moi-même, et pour moi-même, dans le cas de Dodof là, c'était qu'on pensait que l'Ipaval Fonti la blanc, yo. Il n'a pas peut-être 10 ou 15 ans en prison. Et il vit une bravie. C'est pour ça qu'il a il y a des possibilités de monsieur parler. Il faut que la presse haïtienne cherche un moyen de faire interview à monsieur tel parler. Pour le tout go yo. Pour moi-même, son nègre, en moins de 2 ans, il a venu là, il a suivi la prison. Selon trois bagailles. Son dossier pour nous suivre. Et... Oh, absolument. Comme tu as un bagaille, pour moi, pour jouer un assassin qui était un président, pas un travail qui passe. Quel président Allende qui a été détruit au Chili, quel président Sankara, quel président Kennedy qui a été détruit aux États-Unis. Jusqu'à présent, je ne veux pas parler avec vous là. Il y a des gros forces dans les États-Unis qui parlent dossier, tout dossier assassinat président Kennedy à ville publique. Parce qu'il y a des gens qui sont dans là aux États-Unis qui impliquent notre président de la CAIO. C'est grave. Et c'est un de l'autre dossier pour nous avancer, pour nous continuer. Et gagner sanction que pays États-Unis pour un potentiel premier ministre, Laurent Salvador Lamotte. L'autre nouvelle là, comment réagir? Comment réagir par rapport avec les nouvelles ça? Et parce que vous estimez, l'ancien PM a détourné près de 60 millions de dollars américains verts dans le fonds pétro-caribéen. Qui ça, ça dit? Bon, premier bagage là, vous connaissez même des faits intégrés avec vous sur ça. Vous connaissez le dossier pétro-caribéen. Ma boumè souli depuis 2008, les nègrinité yo, Téphine Touye, Robert Marcelo, président de la commission des marchés de l'État haïtien pour 80 millions de dollars américains, sous archive blog depuis 2008, ma boumè sous dossier ça. Donc, moi même son dossier qui intéresse moi, le dossier Petro-Caribe, c'est 1 milliard 800 millions de dollars américains qui dépensaient sous 3 présidents, Préval, Matéli, Privé, qui devait financer 394 projets. Donc, moi même, position avec un autre journaliste qui a boumé sous dossier ça, qui est le Sirius Cyber, nous avons dit son dossier qui a résolu dans 3 mois, sans qu'il n'y ait pas politisé. Ça veut dire qu'il y a deux côtés qui ont dépensé, l'autre dépensé comme Petro-Caribéa, c'est deux côtés qui ont la sortie dans l'État. C'est dans le ministère des Finances et dans la Banque centrale. Ça veut dire que des fois, faire recherche là, en 3 mois, on a besoin d'un côté comme la passée. Je dis nous, ça, dans l'interview que nous avons fait, il y a 3 catégories de projets. Des projets qui fait yo et qui finit, des projets qui commencent et pas fini, et des projets côté qu'on a dépensé et des projets à pas fait. Donc, il est facile avec la traçabilité des fonds, et il faut pas oublier tout, 98% de Petro-Caribe est la compagnie privée qui est passée. Nous avons ça déjà dans l'interview. Quand on a vu sanction, la position va changer sous sanction depuis sous première interview. Premier monde qui devine parler de sanctions avec vous, je vote qu'on même mette des sanctions internationales, et moi-même qui devine là, je devine parler de manis qui hack. Sous garder sous vidéo ou après ça. Mais moi-même, j'ai fait sanction, yo. Même ça me dédou dernière fois, depuis l'heure où j'ai commencé pour la première sanction, yo. M'après, j'ai dit, sous un jour, tiens. Ok. Blanc canadien, yo. Ah, blanc américain, yo. Mais je connais, est-ce que vous voulez aider le pays d'Haïti faire édition des comptes tout bon? Ou bien est-ce qu'il a servi à sanction, yo, pour mettre pied sous coup politique la caille, nous, puis au cabine volé, ça combattait dans le pays d'Haïti? Moi, aucun réponse à la question ça. Parce que, si vous dites moi, Bédim, dans l'édition des comptes, vous avez pris sanction contre un paquet de monde dans le pays d'Haïti. Et puis, jusqu'à présent, vous refusez par le peuple haïtien un dossier pour que le peuple ait même moi qui côté monde ça, vous avez fait corruption. Mais ça, blanc, nous jouons coquin, ça fait pas le blanc, après, ça fait pas nous. Et c'est pour ça, moi-même, nous toujours à gourmer en aval et en amont, en aval dans le pays d'Haïti depuis 2008. Dans le cadre de dossier Petro-Caribe, à côté de la traçabilité des fonds, dans la finance et dans le BRH, nous avons besoin de tout le monde qui vole sans problème en moins de 3 mois. Parce que nous n'avons pas qu'à suivre le travail. Dimitri Vob, Réginal Boulos, Cal Politis et rapport avec Yuri Latossi et Nenel Kassi, Ander et Koussibéye des comptes et Ander Balman. Nous avons besoin d'un rapport technique qui montre nous qui est-ce qui vole, qui côté au vole et qui l'est au vole. Pour les autres, il y a ça, c'est en aval. En amont, on dit blanc, soit fonctionne au monde là, qui est dans la gang,
qui n'a trafic de drogue ou bien qui n'a corruption, bah, peuple haïtien, toute documentation, pour que nous-mêmes, en tant qu'haïtien, quelle la justice qu'elle doit caler pour nous qu'à travailler. Blanc refuse de faire ça. Blanc, ça fait pas que la prédé. Pour faire la montre là, moi, communiqué, département d'État a sorti sous Laurent Lamotte, côté Lydie, que Laurent Lamotte détourné 60 millions de dollars américains Petro-Caribe. Moi, réponse la montre là, côté lui-même, il subit 5 audits, et dans 5 audits, c'est clean, ni clean. Donc, même, je vous dis, il faut que le département d'État bombe un dossier qui montre ça l'a dit sur 60 millions de dollars américains pour qu'il agisse en tant que peuple. Donc, pour l'instant, en attendant que le département d'État américain mette évidence dans la rue, donc, pour vous. Et c'est pas seulement pour la mort. Ça a gagné sous Jean-Ricéen. Ça a gagné sous tout le monde que Canada, à États-Unis, sanctionné. Mais ils ont refusé dans nos dossiers. En attendant. Ils ont refusé dans nos dossiers. Ça fait pour quoi briguer. Donc, si je comprends là, en attendant que évidence sur dossier au prend la rue, donc, accusation ça pour vous, c'est de fausses accusations, bien, bagaille qui base sur dire, ou bien l'autre bagaille que nous avons réglé. C'est ça? Mais même moi, clair, même pour la reddition des comptes. Quel que soit le monde dans le pays d'Haïti, blanc, Canada, blanc, américain, a sanctionné, faut remettre les pays ici un dossier pour les pays ici un carré clairement. Il y a qui n'a gagné. Nous comptons tout le monde qui n'a gagné à cause de vidéos, pour que les gens aient témoigné. Clairement, nous connaissons les pays qui gagné. Pour y a un dossier de droit à corruption. Bon, nous copions dossier pour nous avancer. Et Stanley, ma bdouan bagay, et peut-être, où est photo ça, nan sa ki gen pou we avec, et par exemple, échangeur que Laurent Lamotte dit au pral fait sous trail. Et n'ap gade nan rapport d'audit collectif que CSCC a pou de kote mette de yoa, yo fait konne que, et ça yo mette comme poto, li équivaut à 18 millions de dollars américains. C'est l'argent qui décaissé pour un échangeur pour une route en l'air, soit disant route en l'air, yo tabra le fait. Et dans ce moment-là, depuis le projet a été lancé sous l'administration Martelly Lamotte, jusqu'à aujourd'hui, et c'est bout de poteau qui était sous trail là, alors que gagne 18 millions de dollars américains qui décaissaient pour projet ça. Donc dans quatre dossiers ça, côté que 18 millions de dollars américains décaissés et projet pas fini, côté l'argent ça a fait selon vous même, est-ce que gagne un groupe de corrupteurs en dehors du système là qui gagne là dans les premiers ministres, tout le monde qui t'a soi-disant et gagne wall par pour jouer dans différents projets. Est-ce que si je dis en là États-Unis a sanctionné par exemple le premier ministre ou bien un ministre, est-ce que yo pas supposé passer mais prend tout le monde qui était en bas yo dans quatre projets ou te gen pour réaliser yo? Yannick, ça me dit tout à l'heure, on me répéter le par où ça permet tout ouais que nous résout problème ça, ça pas gen politique là-dedans. Et l'op mari voler, c'est pas politique, c'est technique qui est lié. L'op mari voler, c'est technique qui est lié. Et moi-même, si vous écoutez depuis 2009-2010, après ça encore, nous avons fait marier tout le volet de Petro-Caribe. C'est 1,8 milliard de dollars américains qui dépensaient sous 3 présidents et peut-être 8 premiers ministres. 1,8 milliard qui devaient financer 394 projets. Il y a 3 catégories de projets. Projets qui finissent. Par exemple, palais justice là. Par exemple, ministère de l'Intérieur. Par exemple, on série de ponts qui fait sous Préval et plusieurs autres présidents. Par exemple, on série de l'école qui construit. Des projets qui construisent. Et des projets qui n'ont pas fait. Donc, là, on prend 3 catégories ça. En moins de 3 mois, il faut pas oublier ça, me dit tout à l'heure, 98% de compte Petro-Caribéa, c'est compagnie privée qui recevra contrat et qui a débloqué compte pour eux. Ou va joindre toute compagnie qui touche le corps, qui pas fait projet, ou bien qui crase le corps là dans mauvaise condition. Donc, mettez en bas contre l'envie dans le détail qui est lié. Ça pour nous pas oublier tout. D'ailleurs, compagnie, ça y a des séries de nègres dans l'État, dans la politique, là, dans le palais, dans la primature. Non, pas jouer tout. Ça veut dire que l'on fait travail technique ça, ou pour aller monter tout réseau de compagnie, que l'on gouvernement, que fait partie des parlementaires, que l'on compagnie privée. Quel est banque centrale, quel est finance, quel est planification, quel que soit côté il y a besoin ni. Mais on a besoin tout, si des monde qui yo accusé tout bon qui volait, ou a marié, yo gen de l'autre pas quoi que monde n'a pas travaillé correctement. Mais ça veut dire nèg qui dans politique yo pas vle travail technique ça fait depuis 2000 les projets Petro-Caribe a commencé
sous Préval, li passe sous Matéli pour arriver sous Privé. Son grand commissaire gouvernement qui a laissé faire bagaille traçabilité des fonds, lui relé au CNAM d'Amérique et puis il a révoqué. C'était freeze toute compagnie dans la banque centrale. Et puis deux semaines après, on révoque monsieur pour ça. Où est-ce que vous là? Yannick, où est-ce que vous là? En moins de trois mois, vous faites traçabilité des fonds du pétro-qualité en dedans banque centrale et en dedans finance, fonds d'État Guadalmaré et malandrin. Deuxième bagaille là, il y a 10 milliards de dollars américains tout de reconstruction. Ce n'est pas haïtien qui est géré. C'est blanc qui gère comme ça. Non, non. Pour nous faire l'équation des contents 10 milliards de dollars avec blanc qui volent comme nous. Ou tout rentre là dans le dossier CIA, machin. Mais, c'est un gros bagaille, qui est important. M'a gardé maintenant l'article. Dans l'article ça, et il y a différents membres, il y a différents mouns qui te fait partie de la commission CIRH. Et là-dedans, il y a été divisé, il y a des haïtiens, il y a des étrangers là-dedans. Mais, oui, mais, avant de poser question, bon, ça est très important, maintenant, avant de continuer. Ok. Oui, tout le monde qui est dans CIRH, il a été démissionné parce que il y a des blancs qui ont dépensé comme ils entre eux, sans que les haïtiens n'ont pas impliqué dans rien qu'à faire. Il a été démissionné, il y a des démissions. Ok. Mais là dans le métro. Donc, l'on parle de CIRH, il faut toujours rappeler ça. Haïtiens ont été démissionnés parce que ouais blanc yo, après blanc pareil yo, comme haïtien pas là dans tout haïtien ont été démissionnés. Donc, comme CIRH, et blanc géré. Oui, parce que c'est toujours mon Clinton yo. Et ouais. Mais ça me donne le doux, c'est que m'te aussi j'ai étonné le m'gande secteur des affaires là, yo te voye Reginald Boulos nan mambio, ça passe. Comment faire Boulos te démissionner? Ba la pas de bon poule, il pas de goût nan bouche? Mwen pas de MC nan démission, m'gen let la, m'gen tout l'autre mamba ici, mais Boulos pas de démissionner, y'en deux ou trois sécurité. Donc lui même li pas de démissionner, t'es rete? Lui même li pas de démissionner, li pas de démissionner lui même. Ba la te bon poule? Et ça m'a dit. Ah la cause. Mais pour qu'on s'appelle là, quel l'assassinat des présidents Jovenel Moïse, quel Petro-Caribe, quel gang, c'est toujours même oligarque. Ah oui, depuis ce côté que l'argent, il y a intérêt, il y a toujours là. Mais. Et pour ça, il n'y a pas l'autre option, non, pour aller lire, et Yannick. En Haïti, tout est politique. Tout est politique. Même les nègres, là, voilà. C'est politique, l'affaire. C'est. Bon, Stanley. Définitivement. On l'a voué chez Chem. Et n'a pas voué chez Chem. Pour me dire que nous sommes dans le pays d'Haïti. Les n'a pas tant de noms qui ont monté dans le cabinet. Tout oligarque qui a couru monter dans le palais. Vous n'avez pas dit que c'est la première fois que vous avez tremblé. Je n'ai pas rentré dans le malandré. Je n'ai pas fait personne à abus, mais des boussons malandré. Je n'ai pas fait personne à oligarque, qu'on soit un petit gang à terre, qu'on soit un ancien parlementaire, sortez les gars qui fait malandré, qui a volé, qui a crasé le pays, qui a mis des gangs. Parce que le gouvernement, regardez, le gouvernement c'est oligarque qui touye le président, qui met le gouvernement, chef gouvernement impliqué dans tout le président et dans gang avec oligarque. Qui ça, chef gouvernement, ça va le faire là? Mais, non, pas forcément gouvernement ça, mais comme si pas un gouvernement dans ce qui est passé, que soit administration matérielle, bon, matérielle pas de fin, administration Jovenel, là, pas aucune intention pour te poursuivre et gouvernement américain dans quatre dossiers, c'est hiérarchant, pas de intention ça même? Non, bon, les présidents commencent à faire édition des comptes blancs avec oligarques pas qu'à voler l'argent de l'État. Vous voyez, tout le monde, tout le président. Ils font une première tentative pour tout le 7 février qui échoue. Après ça, ils retournent sous l'encore le 7 juillet. Le président a parlé avec nous en public. Bah, tout le peuple, le président a dit que y aurait le téléphone s'il continue à faire courant. Et il y aura mot d'homme ou bien vidéo pour qu'à passer pour dire autant de. Puis devant encore, le président a dit que peut-être l'Allemand a un dossier route. Parce que Living Tile est en capacité pour faire route dans tout le département. On fait de gros blancs au niveau international qui dit qu'il continue à faire route ça, il y aura mort d'homme. Son gros fonctionnaire international, pendant la visite de Campérin qui parle de détail là. Mais vous faites des menaces ouvertes pour le président, peut-être que, côté de vous avez volé dans le courant, vous avez volé dans la route, vous avez volé dans la manipulation.
question de la monnaie, notre transfert comme diaspora, le président a coupé tout côté nèg yo t'a volé, nèg yo t'a tué président quand même pour ça. Donc là mon yo comprend nous sur blanc. Allez ouais pour talement 10 milliards avec pour monde qui des milliards. Donc là mon yo a comprendre 13 ans après si Haïti pas avancer son complot international depuis nan Guinée nèg ça va ba nous pou nan dori depuis après tremblement de terre là. Mais qui juste qui système là. Ou gen des élites globalistes corrompues qui besoin voler l'État, voler peuple et voler sa campagne dans le pays. En bas, élites globalistes corrompues, ça y ou gen trois anciens présidents dans le pays d'Haïti, ça marche avec yo. Ou Aristide et Matéli privé à défendre l'intérêt dominicain, et Matéli Aristide à défendre l'intérêt canadien avec américain. Ou gen oligak Pétionville qui fait agent moun sa yo, et puis en bas oligak yo, ou gen petit politicien qui reste avec yo, donc ou Nenel Kassi, André Michel, Kato, Evalier Boblan et Latrio, kon nou yo mal mbezen ba ou. Stanley! C'est pas que système nan yo, et puis à terre, yal kreye ti gang yo, pou empêcher malere vivre dans la ria. Stanley, nou pral fini. Le mot de la fin et dernier mot pour nous mettre en fin avec notre vie à jeudi, c'est qui ça lié? Un message pour Peuple Haïtien. Ou va aller lier et goumer jusqu'à ce que Marimi. Et puis nous-mêmes, nous allons continuer à goumer correctement. Le café de gel nous sous route. Si on veut de gel nous y a ni quoi, mais si le reportage pour moi, les mouilles. Va pas là pour continuer, vous comprenez, les Stanley. Et seul bagage. Je vais vous féliciter, Yannick, pour féliciter et pour le travail qu'on fait. Et depuis avant que vous soyez président et après que vous soyez président. Parce que vous travail d'éducation politique, que vous-même, que Foucault, que Bousta, que Jimmy et l'autre ami ont fait, et qui est très important, éducation politique peuple là pour le cadre défendre l'intérêt. Et nous remercions pour le caractère, pour le courage, pour son petit cabois là, pour son temps féminin, pour faire une analyse, quoi faire, il va jouer. Parce que vous dites qu'il y a un gado là chaque jour, quoi faire analyse. Vous dites qu'il n'y a pas comprendre le sacrifice qu'on fait pour le pays. Mais vous ne pouvez pas être l'autre nègre. Chaque mois, c'est 2-3 millions de gouttes qui recevront ce qu'on a maintenant pour l'Igat, mais Ariel, pour qu'on soit des gens corrompus, pour ne pas avoir de nouvelles, pour ne pas éduquer comme ça, pour ne pas être au courant de ce qui s'est passé. Mais les gens qui regardent là sur l'écran de télévision, ils ne savent pas qu'on est, et qui n'en a qui d'elle, qui est intégrité, qui est qu'on représente, non. Mais vous avez quand même un bon lot, et puis à fois bien marcher, et vous qui êtes payé à craser. C'est pour ça. Ouais, des gens qui vous méritent une médaille, vous méritez une croix d'honneur, tout ça l'ouverture. C'est des gens qui ont gommé pour la société. Les gens qui ont besoin. Elle dit que si nous avons une presse là, nous avons 50% de temps ou même à tout réseau pour là. Mais il y a tout l'autre côté. Il y a tout l'autre côté. Et Stanley. Que Dieu te garde. Merci en pile pour disponibilité. N'a pas croisé encore pour nous continuer à faire débat sur la situation du pays. Et toujours un plaisir et nous espérons que mon qui t'a coûté après nos barrages. C'est là, bon Dieu béni. D'accord, merci, bye bye. Voilà, c'était avec nous Stanley Lucas qui passait de présentation à Kyle, qui toujours là, qui toujours disponible, disposé pour le faire débat sur la situation du pays. Et c'est pas le Stanley Lucas qui est là pour nous dire, mais Stanley Lucas, c'est un monde qui montre non seulement qu'il y a un souci pour le pays, pour le Haïti changer, mais c'est un monde qui toujours paraît pour le parler sur n'importe sujet lié. Qui paraît pour le parler sous n'importe dossier que lié, que le dans comme que le patron comme toujours là, toujours est disponible pour le parler, pour le commenter, pour analyser situation. Et d'ailleurs tout, on est moi-même là, toujours là pour me poser question. N'importe quoi ça y est, n'a posé question et faut que je n'en réponse. Stanley Chapeau, merci pour disponibilité. Merci parce que vous toujours été égal à vous-même dans discours, dans information, dans ça va partager avec grand public là. Rendez-vous en l'icasse demain pour l'autre émission. Partagez vidéo, allez évidemment sous pour abonner, rejoindre grande famille TAC 509 et 509 là puisque nous-mêmes nous là pour nous porter information pour nous bailler information Jean Bagayla sans retirer ni mettre. Merci tout le monde, restez connecté à la chaîne là pour cette programmation. À la prochaine. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et bien on agit. Entre désespoir, de machination politique et les nôtres, mon éditorial vous dit tout. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti.
sommes sur lundi pour y faire vendredi. Depuis le fait 2 heures, monsieur Chanel bon là pour qu'il y ait informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle et nous bras le fait des bâches. Si vous m'aimez, Yannick, l'homme, même voir.